un jour singulier et particulièrement émouvant pour moi. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier chaleureusement. Vous êtes très nombreux ce soir pour votre présence, votre soutien. Je voudrais ensuite réserver mes premiers mots à Jean-Louis Marsac. À tes côtés et durant toutes ces années, nous avons tous appris de ce qu'il faut de dévouement, de travail, de patience, d'attachement à sa ville et à ses habitants. Aujourd'hui, donc, je peux te l'affirmer, cher Jean-Louis, je suis prête non pas pour te remplacer, mais à te succéder. Je voudrais également remercier l'ensemble des élus du conseil municipal qui m'ont fait confiance et qui m'ont élu ce soir maire. J'aurai bien évidemment l'honneur de conduire cette mission avec vous toutes et tous à mes côtés, car je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous, car je connais aussi l'ambition et l'amour que nous avons pour notre ville. Je joindrai toute mon énergie à la vôtre pour faire du reste du mandat municipal et de notre programme une réussite. Je te le confirme et solennellement, cher Jean-Louis, qu'on ira jusqu'au bout du programme pour lequel on a été élu 2020-2026. En France, les femmes ne représentent que 36% des députés et elles sont moins de 20% maires. Villiers-le-Bel est une de ces villes audacieuses puisqu'elle vient d'élire une femme maire et cela pour la seconde fois. Je resalue ma chère Raymond qui est à mes côtés. Nous voulons que cette ville soit fière de ce qu'elle est, qu'elle continue de regarder devant elle. L'éducation de nos enfants, tout comme l'égalité des chances, sont et resteront la colonne vertébrale de mon engagement. La formation de notre jeunesse et la défense de son avenir. Nous continuerons d'œuvrer et de créer de meilleures conditions pour une jeunesse plus heureuse, plus écoutée, plus émancipée et engagée. Villiers-le-Bel est cette ville aux nombreux visages que j'aperçois ce soir. Cette ville monde, forte de ses multiples cultures, de ses talents, de ses associations, et vous êtes très nombreux ce soir. Notre majorité est issue d'un pluralisme des partis politiques et sensibilité de gauche, dont nous pouvons tous être fiers. Nous sommes la preuve que l'union de plusieurs partis politiques de gauche enrichit nos positions, nos idées et nos ambitions. Nous continuerons de prouver que l'union est possible, qu'elle est une force, une richesse, quand elle se déleste des postures, qu'elle défend le bien commun, le progrès social, sans jamais rien céder de ses valeurs et de ses principes. Ensemble, nous continuerons de défendre les droits légitimes des Bouvilliésois et des Bouvilliésoises, l'égalité des chances, le droit au logement décent, le droit à la sécurité et au bien-vivre. Ensemble, nous démontrerons qu'il est possible de conjuguer écologie et solidarité. Ensemble, nous continuerons de relever les défis pour faire de Villiers-le-Bel une ville pour tous, une ville forte, résolument tournée vers l'avenir. Chères Bouvilliésoises, chers Bouvilliésois, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous pour honorer chacun de vos engagements. Je vous en remercie.